au niveau de Grand Bassam, avec la construction de la mosquée, la prochaine réhabilitation. Tout à l'heure, l'ambassadeur en parlait, de la mosquée de Yamoussoukro. Nous avons ce projet, mais alors fabuleux et emblématique, de la réhabilitation de la baie de Cocody, avec la coulée verte qui va totalement transformer donc la physionomie d'Abidjan, avec la marina qui sera créée, avec la maîtrise de la gestion des eaux usées et donc cette lagune sur laquelle nous pourrons donc surfer, voir nos jeunes surfer avec une belle marina, l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam qui viendra consolider tout cela. C'est ça le résultat d'une belle amitié, donc d'une coopération forte et dynamique entre deux pays africains. Et je pense que cette coopération Sud-Sud est un exemple à suivre, est un exemple à vendre d'ailleurs aux autres États, aux autres pays africains. Et pour ce qui nous concerne dans notre secteur donc, relatif à l'amélioration du cadre de vie, nous comptons également poursuivre notre collaboration avec le Maroc. La Côte d'Ivoire a de belles perspectives en la matière. De grandes avancées ont été réalisées par le gouvernement. Et aujourd'hui, nous voulons consolider cela avec, dans le cadre du partage d'expériences avec le Maroc. Je me réjouis donc de cette belle initiative et par-dessus tout, les échanges culturels, les échanges de bonnes pratiques et le plaisir de vivre ensemble, le plaisir de vivre en frères et sœurs.